Bonjour, je suis Laurent Dubrudoff. Bienvenue à l'exposition de Babar. C'est toujours le même éléphant. La couronne, avec son gilet, n'est-ce pas, et son nœud papillon. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Mon père, Jean Dubrudoff, était le créateur de Babar. Mais c'était ma mère, Cécile, qui avait inventé cette histoire d'éléphant. Je ne sais pas comment c'était venu dans sa tête, mais un soir, elle me l'a raconté à mon frère Mathieu et à moi, une histoire d'éléphant. Et on était tellement amusés qu'on l'a raconté à mon père Jean, qui était peintre. Et lui, il s'est amusé à nous faire un livre. Et il s'est passionné de lui-même. Et alors, mes oncles étaient éditeurs. Ils ont publié le livre et mon père immédiatement a commencé un deuxième et un troisième comme ça. Et Babar était roi à la fin du premier album et marié à Céleste. Et puis dans le deuxième, il était en voyage. Et dans le troisième, il a construit Célesteville. Et puis après, mon frère Thierry, le petit Thierry, est né. Alors évidemment, Babar avait des enfants aussi, et trois enfants. Seulement, nous étions trois frères, mais Babar a eu une petite fille. Il avait deux frères et une sœur. Mon père Jean, il est mort à 37 ans de tuberculose. C'est seulement quelques années après, après la guerre, à la fin des années 40, je voulais être un peintre moi-même, mais en même temps, l'éléphant était dans ma tête et l'idée de continuer les histoires m'est venue. Je me suis simplement assis à ma table et j'ai commencé à faire un album. Mon premier livre, c'était Babar et ce coquin d'Arthur, parce que Arthur était le petit cousin de Babar qui était plus proche de mon âge. Alors, j'en ai fait beaucoup plus que mon père actuellement. Moi, j'ai commencé en faisant de la peinture abstraite. Quand j'ai commencé à faire des albums Babar, j'étais tellement pris que je n'avais plus le temps de peindre. Alors, j'ai laissé tomber mes pinceaux pour continuer à faire des albums. Et ça fait plus de 60 ans que je fais des Babars. Pendant des années et des années, je ne voulais pas changer la famille Babar. Et puis c'est à la fin des années 80 que ma vie a changé. J'ai recommencé une nouvelle vie avec ma seconde femme, Phyllis, et je suis venu en Amérique. Alors pourquoi pas Babar, la vie de Babar ne changerait pas. Il fait partie de ma famille. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec l'idée de lui donner une autre petite fille, Isabelle. Et puis maintenant, ça peut continuer. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Il y aura peut-être des petites aventures pour la famille. Tous les enfants adorent les éléphants. Parce que c'est le seul animal qui a une trompe.